Synthetic XD. Donc nous, on est une jeune société qui a été créée en 2010. Nos missions principales étant la synthèse. Et donc le modèle BIM se prêtait particulièrement à ce concept-là, voilà, de synthétiser l'ensemble des informations sur un modèle global, numérique, informatique, avec une base de données afférente. On a commencé à travailler sur la fondation Louis Vuitton. C'est notre premier projet en BIM qui nous a vraiment qui a été moteur et qui a été vraiment déclencheur chez nous. Il était tellement complexe qu'on ne pouvait pas faire autrement que de le faire en BIM, mais on s'est très vite rendu compte que ce concept-là avait vocation à s'appliquer à tous les chantiers, du plus simple au plus complexe, en développant toutes les applications afférentes, toutes les applications qu'on avait rencontré sur ce projet un peu exceptionnel et qu'on pouvait reproduire à moindre échelle, de manière un peu plus spécifique sur d'autres projets. Donc on a commencé par la fondation, mais on a fait aussi un projet qui s'appelle T8, l'îlot T8 derrière la bibliothèque François Mitterrand. On a travaillé aussi sur le stade Arena 92. On travaille également sur un bâtiment de bureau qui s'appelle New Vélizy. Et on est en cours d'appel d'offres sur plusieurs autres bâtiments de tailles assez diverses. Aujourd'hui, on a affaire à différents clients et on essaie de s'adapter à chacune des demandes. Pour en phase pro, plus des architectes ou des concepteurs, ça va être d'optimiser, de visualiser, d'intégrer leur projet dans l'environnement, d'arriver à le rendre constructible, d'arriver à le valoriser. Pour des entreprises en phase d'exécution, ça va être le BIM va servir à valoriser leur phasage, leurs interventions, la gestion des travaux. On est capable d'intégrer la quatrième dimension, le temps, pour pouvoir valider l'avancement, suivre l'avancement. Et c'est vraiment très intéressant pour les différents constructeurs. Et on peut essayer aussi d'optimiser tout ce qui va être en termes de logistique et d'installations différentes sur les chantiers. Et on a encore d'autres intervenants qui sont les clients. Et à ce moment-là, le BIM représente plutôt, donc, dans un premier temps, une valeur commerciale pour vendre leur projet. Et dans un deuxième, c'est ce qu'on s'attelle à mettre en place chez Synthetic XD, les DOE, la maquette numérique du bâtiment tout au long de sa vie, parce que c'est quand même 70% du coût du bâtiment, c'est la vie du bâtiment. Et c'est pas neutre, donc il faut absolument arriver à aussi là optimiser et faire des économies et rendre un peu ce système cohérent et optimisé surtout. Le choix de Revit chez Synthetic XD s'est fait suite à un différent constat parce qu'on a travaillé avec d'autres logiciels sur la fondation Louis Vuitton et on s'est rendu compte que ces autres logiciels n'étaient pas forcément adaptés en termes de productivité. Donc on avait besoin vraiment de logiciels bâtiments spécialisés qui se retrouvaient, donc nos besoins se retrouvaient bien dans Revit. Et la suite des Revit, donc Revit Structure, Revit Architecture et Revit Map, qui nous permettait de couvrir la majorité de nos besoins en termes de modélisation et en termes de modélisation BIM avec les informations afférentes à cette modélisation. Puisque ce n'est pas que de la géométrie, il y a aussi un certain nombre d'informations à intégrer à notre modélisation. Pour moi, le BIM, bon, c'est l'avenir du bâtiment. On rentre un peu dans une nouvelle ère qui va permettre de réduire les coûts, qui va permettre de construire mieux, de construire plus vite. Et de conserver vraiment toutes les problématiques actuelles qui sont les coûts parce qu'il y a de moins en moins d'argent, mais aussi les problématiques environnementales, les problématiques de performance énergétique, mais aussi les souhaits des architectes de construire des bâtiments de plus en plus complexes, de plus en plus beaux et qui puissent répondre à leurs imaginations et à ce qu'ils souhaitent faire. Donc chez Synthetic XD, justement, on se fait fort de vendre la maquette numérique au plus tôt dans le projet. On explique justement que toutes ces évolutions-là, donc que l'architecte souhaite avoir son modèle numérique pour jouer avec, pour faire des évolutions, c'est une chose, c'est une réalité, il faut l'accepter. L'architecte a besoin de faire vivre son projet, le client a besoin de faire vivre son projet. Donc la maquette numérique facilite cette évolution. Et la maquette numérique, si elle est bien intégrée, suivie, produite, va servir au client pour son DOE. Donc c'est une démarche complètement complémentaire entre la phase où on va construire, imaginer, dessiner le projet et la phase où on va fournir, livrer une maquette exploitable pour le cycle de vie du bâtiment au client. Les principaux freins viennent souvent, alors le côté économique, on a toujours l'impression que la maquette numérique coûte plus cher. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à démontrer les économies. C'est pour ça que sur l'exercice sur l'Arena, on a fait l'exercice de montrer les coûts et les économies qu'on a pu faire sur le projet en optimisant ou en sécurisant un peu ce projet-là. C'était donc
là, on a de plus en plus d'exemples qui vont dans ce sens-là. Les freins aussi, les autres freins, c'est de convaincre les partenaires qu'il faut sauter le pas, qu'il faut y aller. Les clients se demandent souvent comment on va s'intégrer dans la démarche BIM, comment on va mettre le pied là-dedans, comment on va rentrer dans ce concept-là. Parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'éléments qui soient vraiment concrètement écrits. Donc c'est un peu la problématique des clients, c'est de savoir comment ils vont se projeter avec ce concept. Aujourd'hui, les limites ils sont quand même assez fortes en termes de responsabilité, en termes juridiques. Ces maquettes numériques-là, qui ont un certain nombre d'informations, doivent entrer dans un cadre juridique assez complexe et assez fort pour pouvoir vraiment sécuriser le client par rapport à toutes ces maquettes. La principale crainte du client étant de voir partir une maquette dans un sens qu'il ne souhaiterait pas et pas pouvoir le contrôler ou le gérer. Donc ils ont une appréhension par rapport à toutes ces problématiques-là. Donc ça, c'est les freins. Et les évolutions qu'on voit, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour cette notion de BIM et on sent que les gens sont de plus en plus informés par rapport à ça. Et ça c'est bon signe, ça veut dire que s'ils s'informent, c'est qu'ils ont envie de sauter le pas.